dark side. I wanna be your left hand man. Ah, salut tout le monde, ça va bien? Ouais, je vais faire. Moi, ça va bien. Là, il est 9h38, je suis debout depuis 7h environ. Les garçons, ils ont pris leur douche ce matin et tout. On est parti quand même tôt. Je pense qu'on a attendu 25 minutes au Tim Hortons pour avoir notre cappuccino glacé. Mais c'est ça, c'était vraiment long. On s'en va en fait, c'est que j'ai mon rendez-vous à Montréal pour mes cheveux. Ma repousse, mais dans le fond, c'est vraiment long parce qu'elle fait des mèches partout. Fait que c'est long. Mais c'est ça, puis après, j'ai un toner en plus. Mais les deux enfants sont coupés les cheveux avant moi. Comme ça, dans le fond, Anthony va aller chez son frère, Marco. Fait que c'était plus simple qu'eux, ils passent avant moi. Les deux, ils ont besoin d'une coupe de cheveux. Puis avant ça, dans le fond, on va aller au IKEA. Parce que j'ai vu que les bibliothèques Kallax, ils sont à 15% de rabais. Donc c'est ça. Je vais aller acheter ça. Puis j'ai vu, il y a un panier aussi que je voulais. Que la dernière fois, il n'y avait pas en stock. Il y a eu quand même assez souvent. Un exercice. Plus en stock. Un quoi? L'exercice. Mais c'est ça, c'est un panier. Je vais vous le montrer. Mais en fait, c'est parce que quand on fait. Regardez, en fait, on laisse tout le temps des couches prêtes au premier étage. Mais là, je voulais les mettre dans un panier cute. Puis ce panier-là, je vais le mettre comme à côté de la chaise descente. Je vous montrerai ça, mais il est censé en avoir ensuite. Regardez les meubles de télé. Le sac qui sort derrière, des fois, t'as pas à faire de trou dans le. Ok. Ah, c'est le fun. Ça peut être intéressant, vraiment. Ok. Ouais, non, c'est. Au lieu de faire un trou dans le mur puis déchirer notre mur, faire un sac qui tient dedans. Ouais. Ça pourrait être. Sont quelle couleur les socles? Ben, c'est genre. Télé, ouais. Non, mais ça monte quand même. Ouais. C'est le film. Ou... Mais ça serait beau, ça. Vraiment beau. Fait qu'on aime bien ce meuble-là. Regardez, il y a. Non, non, prends ton auto, tu vas la perdre. Prends ton auto, Jaden. Regardez, il y a des tiroirs comme ça. Il y a deux espaces, puis. Comme ça. Lui aussi, il est beau. Mais on aime vraiment celui-là. Up and down. Up and down. Ah, Jaden. Ah! C'est moi, maman. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Qu'est-ce qui est chaud? Tu sais couper les cheveux? Tu montes-tu tes cheveux, Jaden? C'est beau. Wow, Jaden est beau. Un hibou. Wow, Maverick! T'as coupé les cheveux! Bonjour tout le monde! Regardez mes cheveux! Ils sont tellement beaux! Je les aime beaucoup! Fait que là, dans le fond, elle a juste fait les mèches. Fait que c'est la première fois qu'on fait juste les mèches, qu'on les baisse pas genre vers le bas. Mais c'est parce que c'est assez blond. T'sais, tout le bas, il est blond comme que je veux. Puis j'ai pas besoin... J'ai pas besoin d'en mettre plus, comme ça, ça les magane pas. Ok, c'est ça, il est déjà 4h45, c'était long, mais j'ai entendu Anthony aussi. Puis là, on vient de prendre une affaire. Puis tout était beau? Regardez, j'ai dit oui, tout était ouais. Dedans, c'est cool. Oui, parce qu'il m'écrit, je suis devant. Ouais, c'est ça, parce que là, on avait emporté quelque chose à vendre, un mélangeur, là, à vendre... Puis la personne m'avait pas répondu. Puis je disais que je venais à Montréal aujourd'hui. Fait que là, ben, il y a une autre personne. Ouais, qu'une autre personne m'a écrit. Fait que j'ai le vendre. Ça tombait vraiment bien. Fait qu'on vend Mister Pop. Ouais. Ouais, ça tombait bien. Vraiment contente. Fait que une autre chose est vendue. C'est vraiment le fun. J'aime ça vendre des choses. Fait que, ouais, j'ai fait mes cheveux. Puis elle est tellement fine, ma coiffeuse. Puis je me fais tout le temps demander c'est qui, là. Mais je vais au salon de coiffure Le Havre. C'est sur Rosemont, là, c'est ma coiffeuse depuis vraiment des années, là. Mais c'est ta coiffeuse depuis comme que je te connais, quasiment. Ouais, ouais, ça fait vraiment longtemps, là. Puis, ça fait au moins 10 ans. Ouais. Puis c'est ça, dans le fond, c'est un petit salon de coiffure, là. Ils sont deux coiffeuses, puis moi, ma coiffeuse, c'est Chum. Fait que, c'est ça, puis elle est tellement fine, elle m'a donné... Mais c'est elle, le salon, je crois. Ouais, c'est elle, le salon. Elle m'a donné un shampoing bleu à essayer, c'est le... de Schwarzkopf, là, mais c'est pas le même que j'avais avant, c'est comme un autre qui ont sorti après là, qui est plus nouveau, c'est le Goodbye Yellow.
puis elle se paraît encore plus intense que l'autre d'avant. Fait que j'ai vraiment hâte de le tester, puis elle m'a fait un masque dans les cheveux, là, mes cheveux sont tellement doux. Mais ça, c'est pas lissé, là, c'est juste comme séché. Ok, tu vas acheter des parfums. Je vais y aller, je vais. Vas-y. Dans le fond, Anthony, pendant que j'ai fait mes cheveux, il a été chez son frère, puis là, les enfants voulaient pas partir chez Marco. Fait que... Oh. Il a relié le téléphone. Ouais, mais dans le fond, on va aller souper chez eux. Fait qu'on retourne là-bas. Là, on est au... Dans le fond, on était au marché central. On s'est rejoint pour vendre quelque chose, là. Fait que... Là, c'est ça, il rentre au Mr. Puff, on va acheter un petit dessert surprise, puis dans le fond, on va manger du resto. Fait que moi, je pense, nous, on va manger du Saint-Hubert, j'ai vu qu'il y avait des coupons. C'est ça. Mais on va les appeler, voir s'ils veulent qu'on passe chercher genre, du Saint-Hubert. J'ai vraiment faim, là, 4h48. La seule affaire que j'ai mangée aujourd'hui, c'est un pain au bleuet. Si on peut dire. Ouais. Allô? Je pense qu'il n'a pas fait exprès de m'appeler. Ouais, j'ai juste mangé un pain au bleuet et un hot dog au Ikea. Fait que j'ai vraiment faim. J'ai vraiment hâte d'essayer ce shampoing-là. Il sent super bon en plus. Hein? 5? 5 minutes. Ok. Il disait que ça prenait 5 minutes. Fait que là, c'est ça. Aujourd'hui, j'avais quand même. Je pensais revenir quand même pas trop tard de la maison, mais. Anthony n'a pas capté, c'était connecté. Mais en fin de compte, je vais revenir tard. Fait que je sais pas trop quand je vais éditer mon vlog. Il vient de catcher qu'il y avait le téléphone connecté. Ouais, il me restait mon vlog à éditer pour demain. Mais c'est ça, je me suis fait une petite to-do list à faire demain. Parce que j'ai pas mal d'affaires à préparer pour la fête à Maverick. Puis je vais faire mes tests de fondant pour les couleurs et tout ça. Fait que c'est ça. Il est 10h15. Ouais, je n'ai pas vlogué chez Marco. Dans le fond, on a passé la soirée là, on a soupé du Saint-Hubert. Puis, c'est ça. On a écouté un peu un film, mais avec beaucoup de distractions des enfants. Je suis complètement épuisée, morte. Genre, je dormirai vraiment tout de suite, là. Mais vraiment. Sauf que j'ai pas édité mon vlog de demain. Ça m'énerve un peu. C'est quoi? Maquillage, je pense. Je me suis démaquillée comme vite vite dans la douche. Oh, ouais. Fait que demain, j'ai comme pas édité mon vlog, puis j'ai pas tant d'affaires à faire. Fait que je pense qu'au moins avant de me coucher, je vais importer mes bouts de vlog. Puis je vais me coucher. Je suis vraiment morte, là. Je vous dis, j'ai zéro énergie. Une chance que lundi, c'est férié. Vraiment une chance. Fait que c'est ça. On va se revoir demain. Bye tout le monde.